et vous êtes attirés l'un vers l'autre. Ok? Et même si il y a quelqu'un d'autre au milieu, hein, ça. Donc, pour moi, il y a de l'amour, c'est certain. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui parasite, si vous voulez, la bonne marche de votre histoire. Ça. Mais les hommes ont du mal à dire cela. C'est-à-dire que même si effectivement il y a eu autre chose ou que la nana est encore dans le secteur, en général, ils ont du mal à te dire ouais, c'est vrai que bon, ouais, en général, ils ont du mal. Mais en général, il y a certaines nanas qui sont très guidées et que. Après, vous avez d'autres nanas, leur mec va les mener au bout du nez. Ah ben si, hein. Et que, elles, y en a certaines, elles sont convaincues que le mec va dire, je te jure sur la tête de ma mère, de mon frère, de mes soeurs, que il n'y a que toi. Ah putain! Même si d'autres personnes leur disent, non mais écoute, tu es sûr que... il n'a pas quelqu'un d'autre. Ah non, ils vont pas vous croire. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non, jamais! Jamais! Ah non! Par exemple, même si ta mère, elle te dit, écoute, t'es sûr que qu'il n'a pas quelqu'un d'autre? Et ce genre de nana va te dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je suis la seule dans sa vie! Et en général, au niveau des mères, si elles te disent, écoute-moi, franchement, écoute, c'est ta vie, mes chéris d'amour, que ce soit des garçons ou des filles. Et eux, ils vont, mais pss, mais tu comprends rien, franchement. Il a que moi. Je suis la seule femme de sa vie. Hein? On va faire des bébés. On va se marier. Ma parole. Mais après, bien souvent, c'est quand on est jeune. Quand on est jeune. Vas-y, tu rencontres le prince charmant et tu es sûr de toi. Oh, attention. Pour certaines, oui, vos chéris sont fidèles. Oui, ils vous aiment. Vous êtes la plus belle chose qui soit arrivée dans leur vie. Sauf que derrière, il y a des gazelles. Et celles-là, elles ont faim. Et attention, soyez très vigilantes à ces nanas-là. Moi, je vous dis ce